Apprendre à un enfant de bonnes habitudes d'hygiène buccale dès leur plus jeune âge peut leur permettre de conserver un sourire et des dents en bonne santé toute leur vie. Mais saviez-vous que le fait que les bébés n'aient pas encore de dents visibles ne signifie pas qu'ils ne puissent pas avoir de caries ? Les dents de lait sont déjà présentes dans les mâchoires à la naissance. Et ces dents de lait commencent leur éruption à travers les gencives à environ 6 mois. En prendre soin est important, notamment en prévision de la sortie des dents définitives à partir de 6 ans. C'est très important pour les parents qu'on ait, même de penser qu'ils vont faire les dents du lait, mais il est bien important ça, les dents du lait, pas juste qu'ils là, ils peuvent tomber, mais il est important qu'ils restent jusqu'à un âge de 6 ans. Parce qu'il y a des dents permanentes qui se poussent environ de l'âge de 11 à 12 ans. Alors, vous avez des dents du lait là pour vous avoir une place spécifique pour vous sortir. Si les enfants ont des dents du lait trop bonnes, là, ça a une place là, vous êtes fini fermé. Là, même qui vous trouvez des dents permanentes pour travailler. Un devant, un derrière, parce que les dents du lait, ils ont des trop bonnes. Alors, il est bien important que les parents conscients qu'il y a un bon montant des enfants qui ont besoin de les dents. Qui, même les dents du lait, il paraît comme les dents permanentes. Hein. Traite-les, comment dire, les dents permanentes même. Même qu'il peut tomber avec les temps, 6 ans, 7 ans, n'importe quel âge, mais jusqu'à ce que vous êtes là, qui les dents là, vous êtes tombé, vous êtes gardé bien. Normalement, les enfants, le premier les dents, vous gagnez 6 mois. Alors, dès qu'ils gagnent ce premier les dents, finissez de montrer, prends un petit brosse à dents, commence à brosser. Comme vous êtes habitué à trouver une brosse à dents, un petit brosse à dents bébé, il y a tout l'âge de brosse à dents ça. À mesure que je grandis, à mesure que mes parents viennent trouver dans un supermarché, même ce qu'ils ont acheté, il y a un âge qui est spécifié, 3, 2 à 6, 3 à 4, tout un âge spécifié. Je vais prendre l'according à mon âge là. Et côté dentifrice aussi, 0 à 3, vous trouvez Pena Floride, 3 à 6, il y a mais jusqu'à 12 ans, à 13 ans, il y a ce dentifrice spécifique. Là, à partir de 12 ans, là, nous considérons les enfants grandir un petit peu, 13 ans, là, au moment donné, ben, c'est qu'ils nous servent adultes. Mais c'est très important. Dentifrice spécifique pour mes enfants. Et un tas, quand je prends une brosse à dents, je prends un dentifrice là, je mets les bien long. C'est pas bizarre de mettre les longs. Je juste prends les et mettre un petit point. Beaucoup d'entreprises ne font pas la brosse bien propre ça. Façon brosser, un petit dentifrice assez. Vous prenez les, mettez comme un petit point, le brosse à dents, frottez bien ou commence à brosser. Pour mes enfants, c'est motion circulaire. Surtout pour mes enfants, mes parents même, quand ils font des bouts devant un miroir, commencez un petit cercle, sac les dents, comme un petit jouet. Je parle là, si cave, débouté à côté, ici débouté, je joue ensemble, je commence ouais, pour habituer, brosse, brosse. Bon, les bons qu'un parent, tous les tantôt, les brosses dans les dents des enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Le matin, les œufs débrillés. À partir de 3 ans, les œufs brossent, les œufs commencent à brosser, pas aux œufs le matin, mais le soir, parents même, ils brossent tant que je pas conscient, à l'âge de 6 ans, 7 ans, qui commencent à brosser. Quand une dent de lait est perdue trop tôt, la dent permanente qui la remplace peut sortir en avance et trouver une mauvaise position qui viendra ensuite perturber l'éruption des autres dents définitives. Cela peut provoquer un mauvais alignement des dents. C'est pourquoi une bonne hygiène bucco-dentaire dès le premier âge est importante car elle aide à protéger les dents pendant les décennies à venir. Une cavité est formée 24 heures temps. 24 heures temps, c'est à cause de la nourriture, la reste dans les dents.
Avec quand un chocolat là, une tasse dans les dents, soit n'importe qui mange une tasse dans les dents, les là qui commencent à faire une cavité là. Ok? Alors, faire comme des enfants, bon, ils vont diminuer la quantité de chocolat, bonbon, tout ça. Mais faire comme des enfants, manger aussi, c'est que plus important, c'est brosser. Si on continue à manger ce chocolat, on fait les brosser, on fait les rincer, il n'y a pas de problème, ça, il n'y a manger. Mais après, si on mange le chocolat, on a le dormi avec ça, même ça, il reste dans les dents, définitivement, après 24 heures, il finit de commencer à former sa petite cavité là. Là, la langue, vous trouvez, si on écrase un bonbon dans les dents là, il commence à casser, parce qu'il finit de former. Là, quand il remange, il réaffecte les dents, il finit de fragile. Là, quand il casse, il commence à faire un trou. Là, il commence à faire mal, là, il a besoin de dentiste pour rasser tout ça. Mais si il commence pas, même il finit, il dit non, mais tu manges le chocolat là, noir, rince sa bouche, nous brosser. Définitivement, on ne dit pas pour ça. Alors, tout le monde brosser. Bien important, c'est brosser. Si vous montrez aux enfants comment brosser le matin tantôt, bien, rock, ils ont un gros problème, carie, cavité, là, tout ça. Sinon, c'est ce que vous avez fait content. C'est-à-dire, montrez une amande d'entre eux, c'est qui flavored. Une fraise, une banane, une tamane de flavor. Vous avez fait des fruits qui sont contents, vous avez ça. Vous avez un goût là, vous avez plus, comment dire, l'intention de brosser. Après, il y a une brosse à dents. Un brosse à dents électrique, bien beau pour les enfants. Gagner une brosse à dents électrique. Pas tout gagner maintenant. Surtout pour les enfants aussi. Surtout pour les enfants. Bon, pas petit, hein, c'est à partir de 6 ans ou 2 ans. Ça. Vous avez fait une petite vibration. Les enfants, ils ont fait un projet dans des vents. Mais oubliez qu'il y a une surface qui gagne carré. Devant là, pas trop. Mais la surface mollée, tout ça là, il est bien important qu'il brosse. Et ça, il est bon pour les parents au moins une fois. Surtout le soir, parce que le soir, même qu'ils ont dormi, près de 12 ans, il y a même qui manque carré, la tendance, plus fumée, tout ça. Si les enfants, s'ils n'ont pas brossé les dents matin et soir, ils n'ont pas connu même qu'ils n'ont pas servi de brosse à dents, ils se rincent la bouche. Et que vous mangez beaucoup de chocolat. Mais là, vous trouvez que ça mange des enfants, là, vous avez la bouche même, vous avez une mauvaise haleine. Vous trouvez que la langue reste blanche. Vous trouvez que vous avez les dents partout et vous avez une plaque jaune. Parce que normalement, une plaque, c'est-à-dire un corail qui nous dit en créole, vous avez ces dix en façon brossée. Après, ces enfants-là, vous ne pouvez pas brosser, vous ne pouvez pas servir de brosse à dents même. Là, vous trouvez qu'il y a une plaque là qui forme dans vos dents. Vous trouvez que la bouche partout pour avoir une cavité. Avec, vous connaissez, un interne, il ne connaît pas qui a le nez d'antilé ici, il a le nez. Vous connaissez, nous avons le nez d'ant, comment dire, ma sensation, c'est le nez dans les dents. Mais les dents d'antilé ici, il a le nez d'ant permanent. Ici, il y a ce petit nez qui trouve dans le nez d'ant là. Alors, quand on commence à avoir une cavité, il commence à affecter sa nez à l'intérieur. Là, vous trouvez maintenant, vous commencez à dire, ah, il ne peut pas dormir à soi, il risque de douleur, les dents peuvent faire mal. Soit, au cas, opter pour traitement nez, soit extraction. Mais trois fois par an, j'ai les dents d'idées, ça. Je préfère pas opter pour traitement nez, je préfère faire extraction. Mais ça, si, comme on dit, oh, si vous restez dans d'idées trop bonnes, là, là, même qui les dents viennent travers. Je peux pas assez de place pour les dents permanentes. Les places, comme on dit, les dents d'idées finissent fermées, place permanente, dents permanentes, là, vous trouvez, elle n'en pousse pas les, elle n'en pousse pas, mais je peux pas place pour pousser. Alors, il est important que, comme on dit, les dents d'idées tombent dans ce lait, soit maintenues. Qui vous reste plus avant, pas bon, parce qu'il n'y a pas place pour permanent. Et les parents, ce qu'ils ont fait, c'est des enfants biberons, c'est de la bouche. Ça n'est pas bon parce qu'il y a la glucose, il y a des idées là. Les seins, presque une nuit, ils ont trouvé par exemple, là, tous les dents devant pourris. Vous avez trouvé tout les devant et la carie partout. Ça vient à cause de biberons. Mes parents, je ne sais pas trop connaître, c'est des enfants de biberons, de la bouche, rester dormi. Mais ça, une mauvaise technique. Ça fait de boire. Si vous êtes là, c'est qu'il y a une wipe, si vous vendez pour dental, hein, les dents, pour un bébé. Si vous êtes les dents, vous êtes dormi. Vous ne pouvez pas avoir une formation au carré. Là. La plupart des enfants ont une dentition complète de 20 dents lactéales à l'âge de 3 ans. À mesure que l'enfant grandisse, ses mâchoires connaissent également une croissance, faisant ainsi de la place pour les dents permanentes. À l'école, les enseignantes veillent à ce que les enfants ne consomment pas trop de sucreries afin de garder leurs dents en bonne santé. Premièrement, tout le jour, quand on commence la classe, on fait un petit storytelling que tu as beaucoup de moral values pour montrer aux enfants qui est bon pour la santé, comment se prendre une good health et qui est bon pour un happy teeth. Okay? Nous faisons une classe good eating and healthy eating and non healthy eating et aussi nous montrer aux enfants si jamais ils ne mangent trop beaucoup sucreries, ils mangent
trop beaucoup de candies, tout ça. Je vous ai beaucoup de cavités, je vous ai beaucoup de caries, tout ça, les dents. Et nous montrer que comme si il n'est pas joli aussi à voir pour un enfant, il a beaucoup de cavités, tout ça, les dents. Donc, pour concernant les parents, nous faisons un parent venir à l'école. Commencement, nous observons l'enfant. Nous observons l'enfant comme si c'est un jour, il peut amener un jour, pas dans une semaine, c'est OK, nous laisse passer. Mais si vous amenez continuellement, comme si tous les jours, dans la semaine, vous mangez ça trop beaucoup, en ce moment-là, nous pour finir, quand nous finissons observer l'enfant, nous pour faire appel aux parents. Là, du moment parent vient, nous explique un petit peu comment ça passait, parce que vu que chaque mois, nous avons une petite visite dentiste, alors nous explique parents conseils qui dentiste nous donnait et aussi de expliquer que pour l'enfant n'est pas bon beaucoup souvent deux fois nous trouvons bons enfants venir les dents peuvent faire mal, je te fais beaucoup mauvais, je t'ai agité. Là nous explique parents là mais pourquoi, parce que enfin mes parents nous comprennent cette aussi ce travail. Je préfère une petite affaire facile, qui comme si vous pouvez préparer une affaire homemade, comme un petit vernissage, un petit castor. Je préfère avoir un petit gâteau, un petit snack, un petit chocolat, vu que je peine à l'état pour préparer. Alors, je fais. Donc, nous sommes là pour conseiller aux parents qui donnent place pour avoir un petit chocolat, un petit goûter. Plutôt, pourquoi pas mettre un petit replay, soit un petit pomme, un petit fruit, ou que les enfants, là, quand ils peuvent manger ça, en retour, ils peuvent gagner de les coins, un petit vitamine, un petit. Et aussi, nous encourageons l'enfant pour boire beaucoup de lait, pour les gagner calcium et qu'il est bon pour ses dents. Une visite par an chez le dentiste pour un examen de la bouche d'un enfant, ainsi que le contrôle du développement de sa mâchoire et de ses dents, est cruciale.